Adolescent, j'étais obèse, donc très complexé. C'est pour ça que, à un moment donné, j'ai dit, il faut que je me sorte de là. Bon, mes parents m'ont fait faire des régimes et tout, donc, et après, j'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à faire du karaté à Marseille. Et après, j'ai commencé à faire du vélo. Et comme tous les sports, je ne sais pas faire que les choses à moitié, j'en fais. J'ai commencé le week-end avec des copains et après je sortais dans la semaine, j'en faisais 500 km par semaine après. Voilà. Et après c'est un copain qui savait que j'étais depuis très longtemps attiré par la musculation et je ne me suis plus arrêté. Je m'entraînais après, je me suis fait ami avec un athlète connu qui est Lionel Sorin quand même, donc il était venu avec moi, on s'entraînait ensemble. Donc. Et il avait vu beaucoup de possibilités avec moi parce qu'il m'a dit vraiment j'avais un corps pour ça, quoi. C'est pour ça que ça m'a continué. Et en 2007, à la retraite, je me suis préparé pour, comme j'avais le temps, parce que quand on fait des compétitions, ça prend du temps, déjà les régimes. L'entraînement, très, très spécifique, donc et à la retraite, donc j'ai pu me consacrer complètement à la compétition. Quoi. Et j'ai été préparé par Gérard Fibel, donc je m'entraînais à l'époque au California Gym à la Seyne-sur-Mer, avec IFBB, donc j'ai gagné la demi-finale sud, qui se passait à Nonnet. Et je suis arrivé en finale à Paris en 2007 pendant le salon du bodybuilding où j'étais champion de France. Déjà première compétition, j'étais bien content. J'ai vu qu'il y avait un super concours au Body Show La Ciotat, donc j'ai continué et j'ai fait mon quatrième concours de l'année. Donc et là j'ai gagné à La Ciotat en master plus de 50 ans. Et en plus j'ai gagné. Enfin, pour me féliciter, il m'a fait passer, mais j'ai gagné aussi le toute catégorie master ce jour, cette année-là. Et donc en 2009, rebelote, hein, j'ai retour recommencé. Et donc demi-finale sud, j'ai gagné, j'ai fait la finale. Pareil, je retombais sur le même phénomène, donc j'ai perdu. Après, j'ai fait la Ciotat. Là, par contre, si j'ai pris ma revanche sur Olympétrie, j'ai gagné. Et après, un ami qui faisait les compètes avec moi m'a dit, tiens, il y a la finale. France à Aix avec la WPF pour une sélection Europe. D'une année sur l'autre, de 2007 à 2009, j'ai pris qu'un kilo de masse musculaire. Mais la qualité musculaire était haute parce qu'à chaque fois, je faisais une prise de masse sur un muscle sec. Donc automatiquement, ma qualité musculaire était plus belle. J'étais plus gonflé, plus plein, plus sans prendre. Tout le monde pensait que je faisais 80 kg sur les photos, donc alors que je faisais 70 kg. J'avais une telle qualité musculaire, sans prendre beaucoup de... sans prendre une masse qui est énorme, quoi. Quand même repris une compétition l'année dernière à La Ciotat, quoi. Je vais essayer de me préparer, mais bon, je connais, hein, maintenant je connais mon corps, je sais que tout le monde dit, mais tu prépares, j'ai dit, attends, quand je vais me préparer, vous allez voir. Mon modèle c'était Schwarzenegger, c'est lui donner envie de faire de la muscule parce que sa ligne, sa musculature. Bon, je risque pas de lui ressembler, je fais 30 cm de moins que lui. Donc. Voilà, donc, mais bon, c'est un modèle. Donc il faut toujours prendre un modèle et puis essayer de. Donc c'est ce qui m'a motivé pour le ressembler. Steve Reeves, la ligne, moi c'était la ligne, c'était. Maintenant aux nouveaux athlètes, c'est la masse, donc. Je suis Bernard Huertin, donc athlète. J'ai eu 63 ans le 25 août, donc voilà.